Bah non, apparemment j'ai gagné. Regardez, ils me disent d'aller voir le mot dragon, je vais l'apprendre. Yeah! Mot de puissance, force, déferlement. Ça y est, je viens d'apprendre déferlement. Apporter la griffe à Lucan, trouver le secret du tertre. Des chutes tourmentées. Fin de la première quête, et bah écoutez, c'est super. Putain. Je sentais qu'il allait avoir un méga drogueur. Putain, il a un souffle ce con. Reviens, flippette. Tu vas mourir. Ah le salaud, il me fait mal, il me fait mal. Et j'ai plus du tout de vie. Ah non. Je peux pas mourir, vite, fuyons. Fuyons. Fuyons, il va me courir après. Non, je veux pas mourir maintenant, je veux pas mourir maintenant. Vite, ma magie. Ah mais j'ai des potions de magie, quel boulet, vite, vite. Potion de magie, je vais le tuer comme ça. Voilà, potion de magie, potion de vigueur, on met. Non. J'ai pas d'armes pour empoisonner, vite. C'est bon, j'ai plein de magie. Tu m'auras pas avec ton rodin. Tu vas mourir dans les flammes de l'enfer. Yeah. Et voilà. Et voilà. Et j'ai la pierre de dragon. Je sais pas ce que ça fait, mais je l'ai. Tiens. Je savais qu'il fallait que je te bute. Je sentais bien de toute façon que c'était trop beau. Je me dis, attends, il me donne le mot de dragon, il m'offre un super coffre. Qui sort pas de chez Ikea. Ah bah j'ai déjà étincelle donc ça me sert à rien, je le prends pour le revendre. Oh un super arbre, oh, un bâton de magicien. Et une robe de magicien qui vaut super cher. qui vaut carrément super cher. Et une potion de frénésie diluée, je prends. Et là il y a une petite gemme insignifiante. Bah voilà, bah continuons. Ah comment il était craqué ce boss là. Ah là là. Allez je continue pour la peine. On rentre à la maison. Je pense que c'est par là, de toute façon il n'y a que par là qu'on peut sortir. Il la sort d'où son épée lui? Ah carrément. Ah quand il est gaucher il a pas de fourreau quoi, c'est... C'est par où? Ah oui d'accord, faut appuyer là-dessus. Je me suis bizarre, je suis enfermé là. Ah, une porte cachée qui va peut-être me ramener directement à la sortie. Allez s'il vous plaît faites-moi sortir d'ici, je veux juste retourner au village. C'est moi retourner au village. Oui! La sortie! Je savais qu'elle était là. Ah, la puissance de pierre. Bon, on a même pas le temps de lire, c'est super. Oh oui! Ah, la lumière du jour. Ah! Je sais pas du tout, je suis ressorti, mais je suis ressorti. Hein. De Dieu. Puis ça va même mieux, d'un coup, ça lag plus. Bon, tant mieux, bah, continuons. Ça lag un petit peu sur la fin, ouais, je suis désolé. Comment on descend? On descend comme ça. Hop, hop. Et voilà! Ah! Pff, fait du bien, on respire un coup. Oh! Sent pas bon ça. Des os de mammouth. Carrément. Et où est le village? Le village est par là, je crois, et à gauche, ouais, il est caché, ouais, je reconnais. Ouais. Je suis arrivé de là-haut, moi. On voit Elgen là d'ailleurs, je crois là-haut. Je crois que c'est Elgen là. C'est le village où on s'est fait attaquer avec le dragon au début, donc le village est à gauche. Oh, petit lapin encore. Eh ben mes amis, quelle première quête! Eh ben écoutez, ça va être la fin de cette session. On va juste ramener la griffe d'or. Et puis ça sera la fin de cette session. Hein. Ça sera la première quête. Qui était quand même complètement craqué. Ensuite, on se dirigera vers la, je pense, vers la première grosse ville du jeu qui sera Blanche Rive, puisqu'on nous devons informer le Jarl de Blanche Rive. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est entre guillemets le maire guerrier quoi de la ville, qu'il y a une attaque de dragons et que les dragons sont revenus à la vie. Oh, là-bas, il y a un petit camp, mais je n'ai pas envie de m'y frotter maintenant. De toute façon, on va peut-être avoir des ennuis bien plus tôt que je ne pense. Voilà, donc j'étais là-haut, bah oui, tout à l'heure, vous voyez, je suis ressorti complètement de l'autre côté de la montagne, quoi. J'étais dans les entrailles de la montagne. Allez, continuons. Tu peux pas sauter, si, bah voilà. Eh ben, on retourne au village, voilà, et puis, bah, en tout cas, quelle première quête, ouais, donc on va ensuite aller informer, comme je disais, le Jarl de Blanche Rive. Ah ouais, c'est loin, quand même. Ah non, c'est bon, je vois le village est là-bas. Par contre, là, je vais éviter de sauter. Parce que là, c'est la chute et la mort assurée. Oula, il y a des gens. Oula, il y a plein de gens. Plein de gens, plein de gens, plein de gens. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Ça ressemble à des bandits, ces cons-là. Non? Ah bah tiens. Je savais qu'on allait se faire emmerder avant de retourner au village, de toute façon. Je sais pas pourquoi. Chef des bandits. Oula là. Chef des bandits, elle a l'air vénère. Hein. Oula là, je me casse de là, moi. Ah.
Non, je veux pas mourir, laissez-moi. Allez, un peu de cramage là, ça vous fera du bien à tous les deux. Putain, il me fait mal ce con là. Ah, je suis mort, mais mettre trois coups dans la tête aussi, oh là là. J'étais tranquillement en train de revenir au village, là, me faites arrêter de m'emmerder, là. Bon, elle est belle, cette hache. Bon, bah, c'est cool, du coup. Eh, on va pas se faire chier, on va se téléporter. Ah non, bah, attends, voilà, en plus, je suis là, voilà, je me suis emmerdé par là, là. Moi, je vais retourner au village, déplacement. Eh, voilà, prends plus la tête, elle est jolie aussi, cette hache. Une hache elfique, ça, je le sens. Oh, en plus, on arrive, voilà, nickel, coucher de soleil, pas d'emmerde. C'est très bien, le téléportation, même si on aime bien se balader dans ce jeu. Parce que justement, on arrive sur des événements comme ça, mais là, je suis pas encore pas assez, assez fort. En tout cas, je reviens bien habillé, en tout cas plus, beaucoup plus guerrier, en tout cas sauvage et chasseur. Et on va pouvoir aller rapporter la petite griffe. Pouh, que ce fut laborieux. S'ils savaient par quoi je suis passé, ces cons-là, ils me remercieraient deux fois. Allez, viens, toi. Hâtez-vous d'aller dire à Lucan que vous avez la griffe. Ah oui, pardon. J'ai la griffe. Ah, il est content, ouais. Voilà. Bon, il a bugué même. Étrange, c'est plus petit que dans mes souvenirs. Amusant, non? Je vais remettre ceci à sa place. Vous nous avez rendu un fier service à ma sœur et moi. Bah oui. Je ne l'oublierai pas. Tu m'étonnes. Ah bah voilà, je peux même la piquer maintenant. Haha, mais vaut pas si cher que ça, 100. Tiens, je vais te vendre des trucs du con. Parce que tu m'as donné que 100 pièces d'or là, mais j'ai envie de te... Je vais te revendre du merdier. Et après, ça sera la fin, parce que sinon, je m'arrête jamais, hein. Alors, non, ça je prends. Anneau de guérison, sort de guérison. Non, ça je, bah, je vais te le vendre, tu vois. Aïe, 1435, tu m'étonnes. Les attaques à une main. Non, armure en peau, ouais. Bouclier de fer. Non, ça c'est ce qu'il a lui, je suis très très con, moi. Forcément, je peux pas lui revendre, c'est ce qu'il a lui. Alors, ouais, que ça. Arme. Le bâton, je te le vends. Parce que je suis pas chasseur. L'arc, je le garde, mon pépère. La dague, l'espadon, je le garde, je te le vends. Le marteau, je te le vends. Et en tenue, je te vends l'amulette, je te vends... Augmente la compétence armure légère. Ah non, ça, je vais le mettre direct. Ouh, c'est super, j'ai une armure légère, ça augmente ma compétence. Armure en pouce, je te la vends. L'armure impériale, je te la vends. Les bottes impériales, je te la vends. La robe, je te la vends. Eh ben, c'est bien, j'ai 1279, là, ça, c'est bon, ça. Et j'ai même un parchemin boule de feu, une violente explosion. Ça, on va le garder pour au cas où c'est la merde. Et j'ai trois petits champignons à te vendre. Que normalement j'aurais pas dû les vendre, mais bon, le lait d'un sèche, je te les vends, j'en ai pas besoin. Le journal de l'autre con que j'ai tué avec l'araignée, je te le vends aussi. Les armes, les quais, l'épée de fer, les flèches, la dague de fer, on s'en fout. Et ben voilà, qu'est-ce que t'as à vendre potentiellement qui pourrait m'intéresser? Non, à part des robes de mage. Un casque, ouais, mais j'ai pas envie de mettre de casque, ça va gâcher mon bonhomme. Bah non, ça c'est des armures lourdes, j'ai dit que j'étais pas armure lourde. Armure légère. Non, non, y a rien qui me protège plus. Anneau de maniement minime. Peut-être dans le prochain épisode aussi, on fera un peu de forgeage. Oui, ça se dit, je pense. Et comme ça, on pourra upgrader peut-être un peu nos armes, voir ce qu'on peut faire, voir ce qu'on peut acheter, voir ce qu'on peut potentiellement. Oh, épée d'acier, elle est belle celle-là. Bah, je vais peut-être te la prendre, tu vois, parce que je suis tellement dans la merde avec mon épée. Voilà, je t'en prends une. Du coup, je te revends mes armes à moi. Mon épée de fer qui ne sert à rien. Ah non, 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 merde! Putain, mais je viens de leur vendre l'épée, mais quel connard! Oh là là, pff, comment faire un gaspillage? Voilà, merci. Et le reste, ça m'intéresse pas. Tu n'as pas grand chose d'intéressant. Tes tenues sont certes correctes, mais ne sont pas intéressantes. Voilà, et ben on va s'équiper quand même de la bague. Voilà, anneau d'imple, écuyer. L'épée d'acier. Bah voilà, enfin! Enfin, GFR, j'ai l'épée à droite. Eh ben dis donc! Ça a été dur, quoi, ça va, fais pas ta fiotte, fais attention, je vais pas te faire mal. Ah, elle est plus jolie en plus cette épée d'acier. Elle va me servir, voilà, je la garde. Puis là en plus, là, par contre je l'ai pas mis dans mes raccourcis. Toujours y penser. Bah écoutez, ça sera la fin de cette première session. En tout cas, j'espère que ça vous aura bien, bien plu cette session. On se retrouve, je sais pas combien d'épisodes ça prendra du coup. Sûrement 4-5 encore. Ah, là en plus il l'a bien à son fourreau. On se quitte ici dans l'auberge, même pas dans l'auberge, dans la,
Dans le, je sais même pas. Dans, on dirait la boutique, voilà. On va dire la boutique de cet homme qui Voulez-moi s'appelle simplement s'il Lucan vous plaît? Valerius. Et en plus, on peut admirer ma petite bague. Et non, on l'admire même pas parce qu'elle est cachée par le gant. Mais je l'ai bien portée. Je l'ai bien la bague. Elle est là. La bague d'écuyer qui va me conférer en plus un bonus. Voilà. Eh bien, ça sera la fin de cet épisode. On se retrouve pour une prochaine. Ciao à tous et portez-vous bien, les amis. Jouez bien. Salut à tous.